Salut les amis, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui n'est pas forcément pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que aujourd'hui, nous sommes le 16 mai. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne qui compte le plus au monde pour moi. C'est l'anniversaire de ma petite maman. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale pour vous dire que ma maman, c'est la meilleure de toutes les mamans. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Ma maman, c'est la meilleure des mamans parce que elle ressemble à une petite grenouille ou une petite tortue. Elle est toute mignonne, elle est toute petite. Toute petite comme ça. Ma maman, c'est la meilleure des mamans parce que... elle fait des petits plats et des gâteaux trop bons. Et même quand c'est raté, bah, c'est bon quand même. Parce que elle est douce. Elle a la peau douce, ma maman. Elle est douce. Parce qu'elle me fait rire. Ma maman, c'est la meilleure des mamans parce que elle sent bon. Parce qu'elle a élevé 3 enfants toute seule en travaillant et je trouve que c'est dingue. Parce que quand je dors chez elle, eh ben, elle est obligée d'aller dormir dans le salon parce qu'elle ronfle. Parce qu'elle est venue à Séoul avec moi pendant 3 ans. Parce que même si elle gagne pas beaucoup, elle essaye de m'envoyer chaque mois un petit peu d'argent de poche. Et ça m'aide énormément. Je lui serai reconnaissante jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'elle invente des mots. Et ça me fait trop rire. Marie, tu veux des cupcakes? Ma maman, j'étais une baba cool avant. Parce que ma maman, eh ben, elle parle un peu coréen quand même. Hein. Je vais pas dire. Parce que ma maman, elle est gentille. Parce que aussi, quand j'arrive pas à me gratter, eh ben, elle me fait des gratouilles dans le dos. Parce qu'on marche ensemble pendant des heures et des heures et on a toujours plein de trucs à se dire. Ma maman, c'est la meilleure des mamans parce que c'est ma maman. Et puis c'est tout. Et voilà, c'est ma petite maman. Et ma maman, c'est la meilleure. Et elle me manque énormément, énormément. Et je sais qu'elle est en train de regarder cette vidéo, donc... joyeux anniversaire maman, j'ai vraiment très très hâte que tu viennes en juillet. Je ne peux pas attendre, je ne peux pas attendre. Mais bon, ça va passer vite et je suis sûre que juillet viendra vraiment comme ça, pouf pouf. Et tu seras déjà là avec moi, ma petite maman. Voilà, et j'espère qu'on va pouvoir faire plein de voyages et plein de choses ensemble. Je t'attends avec impatience, de pied ferme. Et je te fais des gros 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 bisous. Joyeux anniversaire. Je t'aime, maman, maman. Je fais un gros bisou, un gros câlin. Un câlin. Un petit câlin, ma maman. Oh oui, un petit câlin. Donc voilà, c'était une petite vidéo, pas forcément pour vous, mais voilà, je voulais absolument le faire parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma chère maman. Et voilà, je voulais lui faire un cadeau, même si... je n'ai pas énormément, enfin j'ai même pas beaucoup d'argent. Voilà, je voulais vraiment lui faire un cadeau et cette vidéo, c'est mon cadeau. Si j'avais plein plein de sous, ce que je lui paierais, c'est un très beau voyage là où elle aurait toujours voulu aller. Et j'espère qu'on va pouvoir, pouvoir aller en voyage quelque part en juillet. Donc on croise les doigts et voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo. Si vous aussi, votre maman, c'est la meilleure. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.